Bonjour, voici comment modifier les différents titres de section dans votre tout nouveau cours Moodle. D'abord, accédez à votre cours et vous constaterez 5 sections déjà établies par défaut avec des titres. On peut les modifier tout simplement en allant dans le mode édition. On voit ici la liste des sections. On peut aussi configurer le menu au complet. Tout d'abord, allons-y par section. La section 0, qui se nommait par défaut Introduction, on peut nommer ce titre en modifiant la section dans les paramètres ici. Et pour pouvoir avoir un titre personnalisé, il faut cocher cette case. Appelons cette section Accueil. On pourrait ici mettre une description sommaire pour afficher et annoncer aux élèves de quoi il s'agira. Le niveau de la section est de niveau 1. On verra tantôt le niveau 2 à quoi ça ressemble. Ne pas oublier d'enregistrer les changements. Et vous voyez, si on enlève le mode édition, que la section Introduction a été nommée Accueil et qu'on voit ici la description. Maintenant, comment organiser les autres sections? On peut tout simplement y aller section par section. Si la section 1, je voulais la modifier, je vais cliquer sur « Personnaliser » et je vais mettre « Ressources ». Le résumé n'est pas nécessaire. On veut que les ressources soient de niveau 1. Mais dans la section des ressources, j'aimerais bien pouvoir mettre des sous-menus, c'est-à-dire les organiser par chapitre. La section 2, je préférerais la nommer chapitre 1, par exemple. Puis mettre cette section de niveau 2. On va aller voir à quoi ça ressemble. Enlever le mode édition. Donc, j'ai la section accueil avec sa description. J'ai les ressources et quand je clique sur ressources, j'ai un sous-menu qui s'appelle chapitre. Si on en met plusieurs de niveau 2, par exemple ici, si j'appelle celle-ci chapitre 2, je personnalise et je l'appelle chapitre 2. Je vais la mettre aussi de niveau 2 pour qu'elle soit dans la deuxième ordre de menu. Donc, j'ai accueil, ressources avec mes deux sous-chapitres et la section 4. Pourtant, j'aimerais pouvoir mettre une section devoir et une section activité. Donc, allons ajouter des sections. Celle-ci, modifier la section. Je la personnalise et je l'appelle activité de niveau 1. Pour ajouter une autre section pour les devoirs, j'ajoute cette section. Je vais la renommer devoir. Ça, tout cela ressemble. J'ai ma section accueil, ressources, avec mes différents chapitres, activités. Les activités, je pourrais aussi les décliner en activités interactives et laboratoires, par exemple. Et les devoirs, qu'on pourrait organiser aussi en chapitres.